Écoutez Coé, c'est bien, le voir, c'est mieux. T'as vu que j'étais assez proche d'elle, enfin, je sais pas, je suis pas proche comme ça d'une amie, comme ça, pour... juste comme ça, enfin, je sais pas. Mais tu sais, c'est pas de ta faute, c'est un petit peu aussi ta faute, enfin... Donc c'est à cause de tes grosses cuisses et de ton gros cul, quoi. Ah ouais, enfin, je sais pas, tu sais très bien et que... Elle a quoi comme corps, elle? Elle a un corps de bébé, qu'est-ce que tu me parles, toi? Bah ouais, ça, déjà, elle a un plus long corps que toi, tu vois. Non, mais là, non, mais t'as de la merde dans les yeux, mon gars, t'as de la merde dans les yeux. Bah non, mais, enfin, championne de France de gym, c'est pas pour rien, vous voulez... Et alors, enfin, championne de gym de mon trou de balle, ouais. Non, mais bah non, mais t'es championne de France, automatiquement, elle a beau corps, hein, de la gym... T'es pas, enfin, je sais pas. Mais corps de quoi? Genre, toi, tu pourrais. Ferme ta gueule. Je vais t'exploser. Jérémy, Jérôme, je vais t'exploser. Jérôme, je vais t'exploser. Jérôme, je vais t'exploser, ferme ta gueule. Genre, c'est pas une meuf comme toi qui va faire de la gym. Jérémy, tu viens, je t'attends dans la chambre là-bas. Ouais, c'est qui? Attends, j'arrive. Bah, rien, c'est Clémence, quoi. Enfin, je suis avec elle. Jérémy, tu viens? Vas-y, lâche ton téléphone là. Quoi? Bah, non, elle veut quoi, elle? Bah, je sais pas, elle est venue après les cours. Et non, t'inquiète pas, ferme ta gueule, attends, je vais les. Attends, passe-moi. Eh, qu'est-ce que. Pourquoi tu rigoles, toi? Qu'est-ce qu'il y a, t'as un problème? Non, mais t'es sérieux? Mais t'es sérieux? Qu'est-ce que t'as, là? Comment tu parles déjà? Mais quoi, comment je parle? Je suis pas ta pote, moi. Mais t'as vu comment t'es ou quoi? T'es la moitié d'une planche à repasser avec un gros cul. Tu te fous de ma gueule là? Et bah... ton corps de merde? Mais moi j'ai un plus beau corps que le tien. T'as vu le tien ou quoi? T'as pas de sein, t'as un gros cul. Comment tu veux que ton mec il ait envie de toi? Heureusement que je suis là pour lui donner du plaisir. Ferme ta gueule. Mais tu me parles pas comme ça, tu sais dire que ça. Ferme ta gueule. T'as vu comment tu parles? T'es une nana ou t'es pas une nana? T'es un bébé là et ta grosse tête de mort là. Tu ressembles à un schtroumpf, qu'est-ce que tu me parles, toi? Mais tu t'es vu, toi? Tu t'es vu? Tu crois que ton mec, il a envie de toi quand il te voit? Bah oui, je crois... Je crois pas, s'il vient me voir, c'est qu'il y a autre chose. Parce qu'ils sont pas les couilles de ta gueule, j'ai juste envie de te... T'es une roue de secours, mon gars, qu'est-ce que tu veux? Mais pas du tout, c'est toi la roue de secours. Ah non, je pense pas, non, je crois pas, non. Moi, il m'aime, au moins. Il aime ton cul. Mais pas du tout. Il est amoureux de moi et tout. On va se mettre ensemble. On va habiter ensemble. Ah bah oui, tiens, bah oui. Ton chien fait des bébés avec. Hein, Jérôme, tu m'aimes? Ouais, je t'aime, mon amour. Dis-lui que c'est moi la femme de ta vie. Lucie, enfin, tu vois forcément ça va-tu. On va arrêter ensemble. Je vais aller avec Clémence. On va arrêter nous deux et puis voilà. Voilà, t'as compris? Non, mais c'est moi qui l'a choisi. Ce soir, nous sommes dans un langage extrêmement fleuri, à base de ferme ta gueule et je vais t'enculer. Beaucoup de phrases qui reviennent la même phrase. Je t'aurais dit pareil. Ouais, moi, je t'aurais dit pareil. J'aurais peut-être changé en cours de route parce qu'il y a eu beaucoup de ferme ta gueule quand même. On est un peu limité. Non, laisse tomber, tu n'y arriveras jamais. On est un peu limité dans l'insulte, mais bon. Insulte timide, quoi. Insulte. T'as une tête de schtroumpf. Bon, ça, j'ai pas compris encore. Oui, ça va. Après, on l'a pas vu, la Clémence. Ouais, ouais, t'as peut-être une tête de schtroumpf. Gymnase, elle doit être bonne. Mais bon, c'est bizarre. Allô, Lucie? Oui. Ah, tu t'es calmé d'un coup, toi. Oui, dis donc. T'es en mode. Ouais. Hein? Non, mais là, je crois que mon cœur il va exploser là. Ah bon? Pourquoi? Ah, mais je suis grave vénère. C'est quoi, je vénère là? Mort de rire, tu rigoles. Oui, dis donc. Tu rigoles. Ouais. Non, mais là, je suis. Lucie, t'as pas envie de savoir qui c'est? T'as gardé, c'est pas. T'inquiète pas. T'as pas envie de savoir qui te parle? Attends, bouge pas. C'est pas dans le script, merde. On m'avait pas prévu. Page 15. Non, j'ai pas envie de savoir qui me parle. Non, ça se lit pas, ça. Préface! Allô, on sait pas. Oui, on a des doutes des fois. Nous, on cherche le fake partout. Ouais, regarde, on est des chercheurs de fake. Elle cherche pas qui c'est. Elle rigole, on te détecte, t'es mort de rire. Et bah alors, t'as vu venir. Pas nous. Allez, à vous la vérité. Pas nous, Lucie. C'est con, c'était drôle. Pas nous. Tu joues bien, mais. Je t'ai trompé une fois. Mais j'ai rien fait. Mais alors, t'es mort de rire. Mais non, je suis sur les nerfs. Les nerfs. Demande même pas qui c'est, tu demandes même pas qui c'est. C'est ça. Vas-y, c'est qui? Devine.
Non, mais je sais rien du tout. Oh, c'est dommage. C'est la brigade du fake. Et bah, si elle avait su, elle aurait gagné quoi? Bah, une galaxie top 4. Ah, bah, c'est dommage, mais ce sera pas gagné. Fallait savoir qui c'était. On a un gros doute. On a un doute. Ah, c'est dommage, ouais. Ouais, mais on a un doute. Elle est trop mangée. Je suis étonné qu'il y ait personne qui parle dans le même téléphone, quoi. Non, il n'y a pas de doute. Mais non, t'insultes, et puis d'un seul coup, tu fais ouais, allô. Et là, tu devrais déjà être, mais c'est qui? Et tu t'en fous. T'es sorti non, du rôle. Je veux savoir c'est qui, c'est tout. Ouais, non, puis le mec, tu l'as appelé Jérôme. Ouais, on sait pas comment. Il s'appelle comment ton mec? Ouais, parce qu'on sait plus là. Jérôme. Pourquoi tu l'as appelé Jérémy? Ouais. Ouais, c'est énorme. Tais-toi donc, mais on t'a repéré, va. Et vous remarquez, Jérôme, il dit rien depuis tout à l'heure. C'est son ex, Jérémy. On vous a repéré, mais on le sent. Mais ne vous mettez pas d'accord pour gagner des cadeaux, putain, c'est dommage. C'était très bien parti. Puis à un moment donné, morte de rire, c'est pas logique, Lucie. Mais j'étais pas morte de rire. T'étais morte de rire. Mais sinon, tu serais déjà en train de dire c'est quoi ce délire. Et tu sais toujours pas qui c'est. Mais non. Lucie, à vous. À vous, et peut-être qu'on réfléchira sur un cadeau. Si t'avoues, on te l'offre. Comment? Si t'avoues, on te l'offre. On réfléchit. Si on la galaxie TAB, on te l'offre. Si t'avoues. On me l'offre? Oui. Non, mais c'est la voix, je la connais. Tu parles de cadeau, ça la choque pas. Mais la voix, je la connais. Bon, allez, maintenant, à vous maintenant, je te l'offre. À vous, tonton Coco. Comment? À vous que tu nous as pipoté et je te l'offre. Non, du tout, je savais pas du tout. Tant pis, je la garde. Dommage. Tant pis. Ah, ça se voit ici. Non, je te promets, c'était pas mal. Mais on t'a senti venir. On a eu pire, mais. On est comme ça, on est en sang. On se trompe pas de prénom. Et puis Jérôme, tu l'aurais repris sur le prénom. Enfin, c'est pas logique. Bah, c'est son ex. Tais-toi, toi aussi. Ah, il est mauvais. Je vous embrasse, les deux. Allez, on n'offre rien pour la peine. Boum, on le garde. Demain, si vous êtes bon pour le super jeu, il y aura deux Galaxy Tab 3. Ah, c'est dommage. Mais on le sent, c'est un truc de fou. Ça sert à rien.